L'Église Le Portail en ligne. Mon nom est Simon, pasteur et responsable, entre autres, du ministère des ados Accès. Si tu nous écoutes pour la première fois, permets-moi de te présenter notre Église en quelques minutes. L'Église Le Portail, c'est une Église représentée sur pas moins de quatre sites: Laval, Terrebonne, Saint-Eustache et Abitibi. Et pour Pâques 2023, Dieu voulant, nous ouvrirons notre cinquième site situé à Montréal Nord. Notre mission est la suivante aider tout le monde à découvrir que tout a toujours rapport avec Jésus alors si tu désires en savoir plus ou connaître nos horaires et emplacements je t'invite à visiter notre site internet www.égliseportail.com. chaque semaine notre église offre plusieurs activités nous avons notre service clic pour les enfants où ils reçoivent un enseignement adapté à leur âge où ils peuvent cliquer avec Jésus et avec les autres notre ministère accès pour les ados et PGA, portail Jeunes adulte pour les jeunes adultes, se retrouvent les vendredis soirs à 19h30 au site de Laval. Pour ne pas manquer leurs horaires, vous pouvez suivre leurs pages Facebook respective. Aussi, nous avons des petits groupes qui se réunissent dans les maisons afin de partager la parole de Dieu et prier ensemble durant la semaine. Si jamais vous désirez connaître où se situe un groupe près de chez vous, écrivez à notre équipe, Petit Groupe avec un S, à Commercial, église Finalement, nous partageons la bonne nouvelle de Jésus chaque semaine à travers nos messages. Alors, sans plus tarder, écoutons le message d'aujourd'hui. Bonjour à tous, mon nom est Maxime Desormeaux, je suis pasteur à l'église de portail de Terbonne et c'est moi qui ai la joie et le plaisir d'apporter la parole aujourd'hui parce qu'effectivement, au portail, c'est ce qu'on fait. On se réunit les dimanches matin. On ouvre la Bible, la Parole de Dieu, et on regarde comment Dieu a agi tout au long de l'histoire de l'humanité jusqu'à aujourd'hui encore. Comment Dieu agit. Et en ce moment, on se retrouve dans le, une thématique dans le livre d'Esther où on regarde et on parcourt le récit de cette femme là, et on, on regarde comment Dieu a agi dans un temps. Comme celui-là, un Dieu bon, mais dans un monde mauvais, dans un temps mauvais. On a vu, à Esther chapitre 1, un homme, le roi qui s'appelle Xerxès, euh, il est dans la mi-trentaine, il y a un royaume qui est incroyablement gros. Il y a un énorme empire qui est, en fait, la, la, carrément, le monde actuel, le monde euh, de l'époque, c'est l'empire de Xerxes. C'est incroyablement gros. Il y a seulement la Grèce qui résiste. Il a à lui seul 10 000 soldats et ça, c'est sa garde rapprochée. C'est un roi qui est imbu de lui-même. Un but de lui-même, c'est moi, 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 venez me voir, venez me regarder, tellement qu'il va faire un party de 187 jours pour lui-même, pour que tout le monde le voit à quel point il est grand et extraordinaire. Xerxès va hériter d'un royaume que son père a, a gagné contre Babylone, la Babylone. Et euh, en Babylone, il y avait plusieurs nations, toutes les nations qu'ils avaient, qu avaient conquéries avaient été déportées à Babylone. Hein, ça te rappelle peut-être le récit de Daniel. Et donc, euh, les Mèdes et les Perses vont s'emparer de, de Babylone et, et vont avoir maintenant ce royaume-là. Et ils vont permettre aux nations de retourner dans leur terre, dans leur pays euh, d'origine. Et ils vont donc permettre aux Juifs, certains Juifs qui ont été déportés, de retourner. Et là, ça nous euh, rappelle peut-être l'histoire d'Esdras ou de Néhémie, qui eux retournent en Israël et d'autres vont décider de rester. Okay? C'est comme l'émission Vendre ou rénover Perse. Okay? Est-ce que vous avez décidé de vendre ou de déménager? De, de rester ou de déménager. Alors, il y a des gens qui vont décider de rester. Et le titre de mon message de ce matin, c'est Un Dieu pour ce temps de déportation. Effectivement, il y avait des Juifs qui avaient été déportés loin d'Israël, mais même s'ils étaient exilés, qu'ils n'étaient pas sur leur terre, qu'ils étaient loin du temple de Jérusalem, ils appartiennent quand même au peuple de Dieu. Ils sont étrangers dans un monde qui n'est pas le leur. Et on va voir aujourd'hui, et je vais tenter de te démontrer que notre monde est mauvais, que notre monde aussi ressemble à celui d'exercice il y a 2500 ans. Que, euh, on a vu la semaine dernière que dans ce monde, dans ce royaume, il y avait de la confusion. On a vu le roi Xerxès, qui était un roi tout croche, et on a vu comme quoi Jésus est un bien meilleur roi que Mais le royaume de ressemble aussi au royaume d'aujourd'hui. Et on doit se rappeler en tant que chrétien que nous ne sommes pas de ce royaume. Nous ne sommes pas de ce monde. C'est ce qu'on appelle en théologie la théologie des deux royaumes, que euh, puisque Christ nous a, nous sommes maintenant des enfants du roi des rois, nous sommes des enfants de Dieu, il nous a adoptés, mis dans sa patrie, nous sommes maintenant, nous appartenons au royaume de Dieu, mais nous vivons encore dans ce royaume ici-bas. Jésus va dire à ses disciples, en Jean chapitre 15, verset 18, Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous, le faisiez part, si vous faisiez partie du monde, il vous aimerait parce que vous lui appartiendriez. Mais vous n'appartenez pas au monde. Mais vous n'appartenez pas au monde parce que je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pourquoi il vous poursuit de sa haine. Mon ami, tu as été déporté. Les chrétiens, nous sommes tous des immigrants ici. Nous faisons tous partie d'un monde qui n'est pas le nôtre. Un royaume qui n'est pas le nôtre parce que nous, nous croyons, nous, nous avons espoir dans ce royaume de Dieu. Et nous regardons à ce royaume. Vous savez, j'aime beaucoup côtoyer des gens et apprendre, euh, découvrir la passion que certaines personnes ont pour des choses un peu euh, des hobbies ou des passe-temps quelconques. J'aime ça, entendre quelqu'un qui est passionné à propos de quelque chose. Pourquoi? Parce que je réalise qu'il y a toujours un monde dans sa passion. Il y a toujours un univers. J'ai des amis qui sont passionnés de microbrasserie. Là, certains diraient, c'est juste de la bière. Mais non, non, non. Quand tu les écoutes parler, là, ils sont passionnés. Ils disent, ah, mais tu vois, la couleur, tu vois la, la robe, tu vois, les, la, tu vois toutes les choses. Et là, il parle des de, de sortes, il parle des goûts, il parle de où ça vient, il parle C'est vraiment un monde à part. Je ne sais pas si tu es déjà allé dans un musée de beaux-arts ou peu importe. Et si tu es un peu néophyte, tu regardes les, les, les peintures et tu te dis ben, c'est cute, c'est beau. Tu passes au suivant. En 15 minutes, tu as fait la tournée. Mais vas-y avec quelqu'un qui est passionné à propos des arts. Il va, va t'expliquer quest ce qui se passe. Regarde les couleurs. Regarde qu ce que le, le, le peintre a voulu exprimer là-dedans. Et là, ça devient. Tu réalises que, wow, OK, non, c'est vraiment un autre monde. C'est vraiment un univers. J'ai un ami à moi qui euh, peinture, peinture des petites figurines okay? il peinture des, 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 des petits soldats. Okay, c'est un adulte. OK? <laughs> et il peint, je, je précise, il peinture des petits soldats, tout ça. C'est correct, c'est sa passion. Et là, il, il les accumule et, et il se fait une armée comme ça. Et il y a des tournois où lui, il va avec son armée de petites figurines qu'il a auparavant peinturées pour euh, euh, combattre dans un certain jeu de société, si on veut, un jeu de table avec les autres. Je, quand je regarde ça et quand il me parle de ça, je trouve ça super intéressant, puis je trouve ça fascinant. Et en même temps, je me dis, ce n'est pas mon monde. C'est le monde à Pasteur Jim, mais ce n'est pas le mien. <laughs> je ne suis pas de ce monde-là. Le chrétien comprend que lorsqu'on regarde autour de nous, nous ne sommes pas de ce monde. Et on va regarder ensemble à Esther, chapitre 2, le monde d'exercice qui ressemble au nôtre, et on va dire ensemble, nous ne sommes pas de ce monde. Si tu es avec moi, si tu es prête à te plonger dans ce texte-là, Esther chapitre 2, verset 1, je t'invite à dire un Amen. Yes. Verset 1. Au bout d'un certain temps, la colère de l'empereur exerçait se calma. Il repensa à ce qu'avait qu fait euh, Vashti, qui est l'ancienne reine, et il réfléchit à la décision qui avait été prise à son sujet. Je rappelle qu'au chapitre 1, on voit qu'il a banni et destitué Vashti parce qu'elle a refusé de se pavaner devant lui et toutes ses convives qui étaient sous pendant la fin de 187 jours de party. Okay? Elle a refusé, puis il a pris une décision de la bannir et qu'elle ne soit plus reine. Verset 2, alors les courtisans attachés à son service, au service du roi, lui dirent que l'on cherche pour l'empereur des jeunes filles vierges et belles. Que l'empereur désigne donc des fonctionnaires chargés de sélectionner dans toutes les provinces de son empire toutes les jeunes filles vierges et belles et de les amener dans le harem de la citadelle de Suse pour les confier à Égée, qui est l'eunuque de l'empereur qui a la garde des femmes. On leur fournira tous les produits de beauté nécessaires. Pasteur Gaétan la semaine dernière a décrit c'était quoi un eunuque, donc je continue. La jeune fille qui aura la préférence de l'empereur succédera comme impératrice à Vasti. Cette proposition plut à l'empereur qui la fit mettre à exécution. On voit ici le roi Xerxes qui a un regret un peu superficiel, qui reçoit des conseils superficiels, puis qui va baser son choix de, sa, de la prochaine reine, donc de sa femme, d'une manière superficielle sur la beauté. On voit, et encore aujourd'hui, on peut voir ce monde. Nous pouvons être des chrétiens qui réalisent que nous vivons dans un monde superficiel. Exercice soules Certains commentateurs lui disent que ce récit-là, le chapitre 2, prend place environ quatre ans plus tard. Il repense à la situation et réfléchit à son, euh, son couple qui a échoué, mais le texte nous dit il repense et réfléchit. Mais il n'y a jamais une réelle repentance. As-tu remarqué, il n'y a jamais, et c'est le danger qui nous guette, de ne pas prendre responsabilité pour nos mauvaises décisions. Lorsque je prends une mauvaise décision, souvent je vais, je vais résister à l'assumer ou à en prendre responsabilité parce que je suis trop orgueilleux ou autre raison. Et c'est exactement ce qui se passe avec, avec Xerxes. Il repense. Mais le chrétien est appelé à, à pas juste penser à la mauvaise décision, au mal qu'il a commis, mais à le regretter et à s'en repentir. Et, et je dis ça, le chrétien, ce, il ne doit pas rester dans le regret, dans la culpabilité, parce que souvent en tant que chrétien, on est bon pour ça. On regrette, on culpabilise, on s'auto-flagelle. Non, le regret doit nous amener à la réelle repentance et nous amener vers Jésus. Mais ce texte nous, nous enseigne quelque chose quand même d'intéressant. À toi qui as vécu une séparation ou un divorce, que ce soit pour une raison légitime ou illégitime bibliquement, peu importe, je ne veux pas adresser ça aujourd'hui, mais peu importe, tu as vécu ça, c'est en arrière, tu es appelé aujourd'hui à prendre un temps pour regretter ce que tu as fait ce que vous avez pris la décision de briser ensemble. Un temps de, de repentance sincère, une réflexion profonde, pas quelque chose de superficiel. Et de passer même un temps de reconstruction à rebâtir, laisser Dieu déconstruire certaines choses que tu as faites et rebâtir pour sa gloire. Ne passe pas au prochain numéro si vite que ça, mon ami. Ne passe pas au prochain numéro. Exercice, il est là, il repense à son affaire, mais jamais ça repentit. Puis il est comme Ah, ma vie est misérable. J'ai besoin d'un nouveau projet. Puis il y a des gens qui viennent le conseiller et disent Non, tu as besoin d'une nouvelle femme. Et tout à coup, il devient tout excité. Ah, oh, ça, c'est une bonne idée. J'ai besoin d'une femme. Ça va changer ma vie. Non! Tu pas besoin d'une femme. Tu as besoin de Jésus. T'as besoin de Jésus parce qu'une femme, un mariage, un homme ne va pas régler tes problèmes. C'est une solution superficielle. Tu es en train de bâtir quelque chose sur du sable au lieu de le bâtir sur du roc. C'est Jésus qui va donner cette illustration-là d'une maison qui est bâtie sur le sable versus une maison qui est bâtie sur le roc. Tu as appelé à bâtir ta maison sur Christ, à bâtir toutes tes décisions sur Jésus-Christ. Il va recevoir ensuite de ça des conseils charnels, superficiels. Encore une fois, il y a des conseillers idiots. Comme au chapitre 1, il y avait des conseillers qui lui ont dit, ah, tu devrais bannir Vashti. Et ces conseillers-là veulent probablement juste monter les échelons dans la hiérarchie du roi, puis ils se disent, OK, le roi il est dans un état lamentable en ce moment. Qu'est-ce que le roi aime? Ah, qu'est-ce qu'il qu qui aime, le roi? Ah, ben du sexe? Bon, on va lui proposer une bonne idée. On va faire venir plein de femmes, puis on va lui dire d'avoir du sexe avec toutes ces femmes-là. Eh bien oui, c'est une bonne idée, ça. Et qu'est-ce que le roi va faire? Ah, ouais, c'est une bonne idée. On s'entend que depuis le chapitre 1, le roi exerçait ce besoin de nouveaux conseillers. Il a besoin de changer sa garde rapprochée, il a besoin de changer ses conseillers. Et, et parfois, tu dois te poser des questions sur les conseils que tu reçois qui t'amènent à prendre des décisions. Mon ami, s'il y a quelqu'un dans ton entourage qui te conseille d'aller voir ailleurs, rejette ce conseil-là. Ce n'est pas un bon conseil. Tu dois toujours te poser la question suivante lorsque tu reçois un conseil. Est-ce que ce conseil attise ma chair ou attise ma foi? Xerxes base ses décisions sur sa chair, son désir charnel. Puis dans son monde superficiel, il va baser, il va choisir une femme selon l'apparence selon un plaisir momentané selon une beauté qui fane j'aimerais te dire ne choisis pas ton conjoint seulement selon les critères de ce monde regarde et cherche une personne qui a la foi une personne qui suit Jésus sincèrement pas quelqu'un qui croit en Dieu c'est pas ça là. Quelqu'un qui est solide, qui suit Jésus, qui, qui marche dans sa grâce. Parce qu'il n'y a rien comme le caractère d'une personne, il n'y a rien comme l'éthos d'une personne. Ah, sa force intérieure, Christ qui vit en lui, il n'y a rien qui égale ça. Cherche ça, recherche ça. Vous savez, en tant que pasteur, la, la difficulté que je côtoie le plus, que je dois aussi gérer le plus les contre-coups au travers des conseils pastoraux, au travers de différentes rencontres pastorales. C'est souvent des problèmes de couple, de gens qui ont décidé d'aller dans une relation avec un non-chrétien. Parfois, au début, c'est juste, « Ah, oh, on, on se fréquente. Puis, » Puis au début, c'est comme... Euh... Ok, c'est juste une fréquentation, on commence à se voir, on apprend à se connaître, puis finalement oup, ça devient un couple. Ouais oh, mais il respecte mon choix, il respecte aussi ce que je pense de la sexualité. Mais oup, finalement oup, on a couché ensemble, puis oup, finalement on habite ensemble, puis tout à coup la personne se réveille et vient me voir et dit eh, elle veut pas se marier, elle croit pas au mariage, elle veut pas, elle veut plus venir à l'église. Il ne veut plus venir. Au début, il venait, mais c'était juste pour me faire plaisir. Puis là, il ne veut plus. Il veut, il veut pas prier avec moi. Il ne veut pas être intègre. Il ne veut pas qu'on élève nos enfants dans la foi. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça quand j'écoute la louange en voiture. Il n'aime pas ça quand je lis ma Bible dans le salon. Qu'est-ce que je fais? Puis comprends-moi bien, je, je le répète encore et encore. Je crois qu'il y a une grâce, en fait, bibliquement, il y a une grâce spéciale pour les gens. Qui viennent en, à Jésus et qui sont déjà en couple, qui sont déjà unis. Il y a une grâce spéciale pour cette personne-là qui vient à Jésus et que son conjoint n'est pas croyant. Il y a une grâce spéciale qui les accompagne. Paul l'enseigne en 1 Corinthien. Mais je veux m'adresser, si tu es un célibataire, j'aimerais te donner un conseil. Évite-toi des problèmes, mon ami. Évite-toi des problèmes. Trouve quelqu'un qui suit Jésus. Puis honnêtement. J'ose, je, je côtoie beaucoup de jeunes adultes, il y a beaucoup de jeunes adultes qui viennent à l'église. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est un défi, je sais que c'est difficile, je sais que c'est difficile de rencontrer quelqu'un qui suit Jésus. Euh, je veux t'encourager. Je veux t'encourager. Persévère, lâche pas. En ce moment, tu prends les bonnes décisions. En ce moment, tu t'évites bien des problèmes. En ce moment, tu es en train de bâtir quelque chose, une base solide sur laquelle ta maison va pouvoir grandir. Persévère dans cette bonne décision-là. Lâche pas. Je sais que c'est difficile. Spotify sait que c'est difficile. Hein, J'ai vu cette semaine, c'est la Saint-Valentin. Puis j'ouvre mon Spotify et directement, la grande bannière, c'est qu'il m'offre une playlist de break-up songs, <laughs> de chansons de rupture amoureuse. Alors, je sais que la vie amoureuse, les histoires amoureuses, c'est compliqué, c'est difficile. On le sait. Mais je veux t'encourager. Cherche quelqu'un qui suit Jésus. À l'opposé, on exerce qui lui choisit une femme selon la beauté physique. On vit dans un monde superficiel. Puis encore une fois, ça nous rappelle cette, cette pression qu'il y a encore aujourd'hui, qui est sur l'apparence d'être beau, d'être belle, d'être à la mode, d'être sans défaut. Ça me fait penser à cette femme qui, euh, qui est aveugle de naissance. Puis évidemment, elle a grandi avec son handicap et ses difficultés et tous les défis que ça la porte. Puis souvent, une phrase qui revenait dans sa vie, tout au long de sa vie, c'est ⁇ si seulement je pouvais voir ⁇ Si seulement je pouvais voir, je ferais ci ⁇ Si seulement je pouvais voir, je pourrais faire ça ⁇ Et un jour, il y a un homme qui, qui vient la, la charmer, un homme extraordinaire, un homme attentionné, un homme qui prend soin d'elle, un homme qui est vraiment là pour elle, un homme qui l'aime. Puis elle dit encore cette phrase, Si seulement je pouvais le voir, je te marierais. Et euh, l'homme reste avec cette phrase-là, puis il continue d'être ensemble, de se fréquenter, tout ça. Et un jour, elle reçoit un appel du médecin, et le médecin lui annonce... Enfin, la bonne nouvelle, qu'il y a un donneur prêt à offrir, prêt à. à, à, à on pourrait faire une transplantation, une greffe de, de yeux. Elle pourrait retrouver la vue, en fait, trouver la vue pour une première fois. Alors, elle va suivre l'opération. Son conjoint il, il est avec elle dans tout ce processus-là. Et euh, alors qu'elle est en récupération, son conjoint il est toujours là, proche de elle et tout ça. Et. Euh, et elle subit l'opération et elle, elle retrouve la vue. Et alors qu'on on enlève les bandeaux, elle commence à voir, elle voit la lumière. Puis c'est un peu flou, mais elle commence à, à voir la beauté de ce monde-là, les couleurs et tout ça. Puis elle est éblouie devant ça et, et elle voit son conjoint qui est là et qui est à genoux devant elle avec une bague à la main, puis qui la demande en mariage. Et cette femme le regarde maintenant avec ses yeux, elle, elle le voit. Elle dit, non, 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 non. Je ne peux pas me marier avec toi. Jamais je pourrais marier quelqu'un qui est aveugle. Elle constate que l'homme aussi est aveugle. Jamais je pourrais me marier avec quelqu'un qui est aveugle. Alors l'homme il, il est chamboulé par cette déclaration. Il, il ferme la, la bague, puis... Il arrive pour quitter, puis il lui dit, en passant, chérie, mon cadeau te va bien. Waouh. C'était donné. Il avait offert. Vous savez, il y a quelque chose qui est précieux dans le cœur, de chercher un conjoint ou conjointe qui a le bon cœur, plus que ce que tu peux voir, qui dépasse la vue. Parce que nous sommes des œuvres d'art créées pour, pour être belles et donner la gloire à l'artiste. Nous sommes des œuvres d'art et, et, et tu dois te le rappeler, jeune fille, tu dois te le rappeler, jeune homme, tu dois te le rappeler. Nous sommes des œuvres d'art qui sont créées par Dieu à son image extraordinaire et qui sont appelées à donner la gloire à l'artiste suprême. Et, et je te dis, tu as le droit d'avoir des goûts. Tu as le droit d'avoir une attirance envers un, un genre, ou peu importe, un genre de fille, ou un genre de gars, ou peu Tu as le droit d'avoir cette attirance-là. Mais chaque être humain reste une œuvre d'art. Et ça, tu dois t'en rappeler. Valoriser chaque être humain. Je suis heureux que dans le royaume de Jésus, hein, dans le monde de Jésus, dans le royaume de Jésus, il ne nous a pas choisis selon notre apparence, ni selon notre performance, mais seulement selon sa grâce. Son regard s'est tourné vers nous par grâce. Exercice, lui, va amener ces femmes-là pour son bon plaisir, pour son propre plaisir et sa grande satisfaction à lui. Et Jésus, lui, nous attire pour notre propre bien pas pour le sien. Jésus va dire, le voleur vient seulement pour voler, pour tuer, pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes et les femmes aient la vie, une vie abondante. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. L Exercice base sa vie sur un monde superficiel. Et voici la suite de l'histoire. Verset 5, on continue. Or, dans la citadelle de Suse vivait un juif nommé Mardoché. Il était fils de Yahir et descendant de Chiméi et Kish de la tribu de Benjamin. Sa famille avait été déportée de Jérusalem avec les autres exilés, amenés par Nabucodonosor, roi de Babylone, en même temps que Yekonia, roi de Juda. Mardoché avait élevé sa cousine Adassa, c'est-à-dire Esther. On les voit, enfin, ils arrivent dans l'histoire. Orpheline de père et de mère, cette jeune fille était bien faite et d'une grande beauté. À la mort de ses parents, Mardochée l'avait adoptée comme sa propre fille. Enfin, on, a, on arrête de focaliser sur cette culture païenne déchéante et on voit les juifs, ce, ce, ces gens-là, ces, ces deux euh, personnages principaux qui sont là, qui sont issus du peuple de Dieu. Et on voit un Mardochée qui prend soin de sa cousine et qui va la traiter comme sa propre fille. Et, et, et on doit remercier Dieu pour les adoptions. Merci parce que Mardoché a adopté Esther. Merci Jésus pour l'adoption. Et on sait que Esther, une chance qu'elle a été adoptée. Pourquoi? Parce qu'on va le voir dans les prochaines semaines. Sa vie est importante. Les chrétiens s'entraident dans ce monde. Je veux t'encourager à, à, comme Mardoché, à, oui, aider ta famille. Oui, prendre soin des, des tiens, avec tout ce que tu peux, de la manière que tu peux, selon les limites que tu as, les ressources que tu as et selon les relations que tu as, mais aider ta famille. Mais la Bible nous enseigne aussi que nous avons maintenant, en tant que chrétiens, une nouvelle famille, l'Église, le corps de Christ. Et nous sommes appelés à prendre soin, à s'entraider les uns les autres, à s'aimer, à, à s'entraider, l'Église en petits groupes, la communauté. Le chrétien est constamment dans la Bible est celui qui prend soin de la veuve et de l'orphelin. Ça me fait penser à cette histoire de la parabole du fossé. La parabole du fossé nous raconte qu'un qu homme, à un moment donné, se promenait sur un chemin et qu'il a tombé subitement dans un énorme fossé et qu'il était impossible pour lui de s'en sortir. Un énorme trou, puis il essaie, il essaie, puis il n'est pas capable. Et alors que la journée continue, des gens passent aux côtés. Puis il y a une bonne personne qui arrive, puis qui lui dit hey, Toi, tu dois être vraiment une mauvaise personne pour t'être ramassé dans un fossé. Hein? Ton karma n'était pas super bon. Puis il s'en va. Une personne qui s'apitoie constamment sur son sort passe, arrive, puis lui dit Ah ouais, tu penses être dans une fosse, toi non, non, tu devrais voir ma fosse à moi. Ce que je vis, c'est bien plus, c'est bien pire. Puis elle poursuit son chemin. Un philosophe arrive puis lui dit hmm, mais qu'est-ce qu'une fosse? Un politicien arrive et voit l'homme dans la fosse, puis lui dit Hey, j'ai un programme justement pour éliminer des pièges comme celui dans lequel tu es tombé. Tu voteras pour moi, OK? Un urbanisme arrive et lui dit... Est-ce que tu as un permis pour cette fosse-là? Un pessimiste passe et dit hey, Tu ne te sortiras jamais de là. En plus de ça, il va commencer à pleuvoir. Je suis sûr qu'il va commencer à pleuvoir. Ça va donner de la boue. Ça va être dégueulasse. Tu es fait. Un optimiste passe et lui dit Ah ouais, tu es tombé dans une fosse. Hmm. Tu devrais tirer le meilleur de cette situation. Peut-être que tu pourrais décorer cette fosse. Un ingénieur passe et lui dit, la fosse dans laquelle vous êtes tombé euh, a 20 pieds de profondeur, 15 pieds de largeur et 25 pieds de longueur. Un prédicateur passe et lui dit, voici trois grandes vérités sur la fosse. Un psychologue passe et lui dit, qu'est-ce que ça te fait d'être dans cette fosse? Jésus voit l'homme dans la fosse. Il le prend par la main. Et le sauve, le soulève, le sort de là. Vous savez, Jésus nous a sauvés du gouffre du péché, de la mort. Jésus nous a arrachés de là, nous a sauvés. Puis en tant que chrétiens, en tant que famille de Dieu, nous sommes appelés à aider à notre tour les gens, à ne pas les laisser dans la fosse, mais à s'entraider. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer avec ces Juifs? Verset 8. Après la proclamation de l'ordonnance de l'empereur et de son décret, de nombreuses jeunes filles furent rassemblées dans la citadelle de Suse sous la surveillance de Hégué. Esther fut aussi amenée au palais impérial et confiée aux soins de Hégué, le responsable du harem. Verset 9 La jeune fille lui plut et gagna sa faveur. Il se mit en peine de lui fournir tout ce qu'il fallait en produits de beauté pour son régime. Il mit à sa disposition sept jeunes servantes sélectionnées parmi le personnel du palais impérial et il la transféra, elle et ses servantes, dans le meilleur appartement du royaume, du harem, je, je veux dire. Verset 10, Esther n'avait révélé ni sa nation ni sa famille d'origine car Mardoché lui avait interdit. On va voir le pourquoi dans une autre semaine. Chaque jour, Mardoché se rendait devant la cour du harem pour prendre des nouvelles d'Esther et savoir comment on la traitait. C'est intéressant parce que là, euh, ils vont donc préparer un genre de méga concours de beauté disgracieux. Et il ne semble pas possible que ces jeunes femmes-là refusent l'invitation. C'est un genre de l'amour est dans le palais. C'est un genre de bachelor mais de perse. Les filles arrivent dans un harem pendant 12 mois de préparation pour une nuit avec le roi. Puis on voit que Esther, elle va recevoir la faveur de l'eunuque. Elle va se faire donner la meilleure place dans un harem. C'est comme si, alors que c'est difficile de trouver une maison, le marché immobilier est très difficile, et tu cherches une maison, puis tu te dis, hey, j'ai trouvé une maison pour toi. Ouais, mais c'est dans un bidonville. C'est, ah ouais, j'ai une belle place, tu as la meilleure place, mais c'est dans un harem. Mon point suivant, c'est qu'il n'y a rien de parfaitement bon pour le chrétien dans ce monde. Tu peux avoir un bon poste au travail, être haut placé, avoir des bonnes finances, être bien placé, mais il n'y a rien de parfait. Il y a bien des choses qui sont bien, qui sont bonnes dans ce monde. La bouffe, l'alcool, le sexe, l'argent. C'est bon, mais ce n'est pas parfait. Et ça devient toujours mauvais avec l'excès. Il y a seulement dans son royaume, dans le royaume de Dieu, dans sa douce présence, que tout devient parfait. C'est seulement dans son royaume que tout sera parfait. Et le chrétien comprend donc que notre identité n'est pas dans ma position dans la société ou dans mon statut social ou dans mon combien d'argent j'ai dans mon compte en banque ou dans quoi que ce soit, dans ma reconnaissance des pères ou dans ma popularité. Mon identité, elle est devant Dieu et devant Dieu, nous sommes ses enfants. Nous sommes fils et filles du roi. Et donc, voici la laideur de ce monde à son apogée. Verset 12. Les jeunes filles se rendaient chacune à son tour chez l'empereur Exercès, au terme du traitement de beauté prescrit pour 12 mois par le protocole des femmes. Pour ce traitement, on utilisait pendant 6 mois de l'huile de myrrhe et pendant 6 autres mois de baumes aromatiques et euh, divers produits de beauté employés par les femmes. Qu'est-ce okay, comme un méga -spool. Puis Lorsque venait le tour d'une jeune fille de se rendre chez l'empereur, on lui donnait tout ce qu'elle demandait pour emporter du harem au palais impérial. Elle s'y rendait le soir et le lendemain matin, elle était conduite dans un second harem et confiée à la responsabilité de chasse-gaz, l'eunuque de l'empereur chargé de la garde des épouses de second rang. Elle ne retournait plus chez l'empereur à moins que celui-ci n'en manifeste le désir et ne la fasse appeler par son nom. Quand vint le tour d'Esther, la fille d'Abishai, l'oncle de Mardochée, qui l'avait adoptée comme sa fille d'aller euh, chez l'empereur, elle ne demanda rien d'autre que ce qu'avait indiqué Égué, l'eunuque de l'empereur, gardien des femmes. Elle gagnait la faveur de tous, de tous ceux qui la voyaient. On voit ici... Euh, des femmes qui sont objectivées. Des femmes qui sont juste victimes d'un homme qui est un prédateur. C'est ça le récit. C'est des jeunes femmes qui sont forcées à se prostituer. Ici, il n'y a aucune notion de consentement. C'est de l'abus. C'est de l'abus tout simplement. Xerxes va arracher ces femmes partout dans tout son royaume, dans toutes les nations. Il va arracher ces jeunes femmes vierges de leur famille pour les mettre dans son harem. Puis lorsque vient la fameuse soirée, c'est pas une date, c'est pas un petit souper au restaurant avec un cinéma puis peut-être un petit bisou à la fin. Non. C'est une agression. C'est c'est purement une agression. Un commentateur Strain va dire L'histoire de Esther n'est pas un conte de fées d'une femme qui tombe amoureuse d'un prince charmant. Non. Quand on regarde le texte, on voit une jeune fille chrétienne qui est forcée à se prostituer. Puis en tant que chrétien, on réalise qu'on vit dans un monde rempli d'abus. Rempli d'abus. Exercice, qu qu'est-ce qu'il va faire, là? Exercise, il va essayer des femmes. C'est fou parce que c'est poussé à l'extrême, mais pourtant, cette même mentalité-là habite encore dans notre monde actuel. Un homme, des, des célibataires qui essayent une femme, qui essaie un homme. C'est encore la même mentalité. Oh, Est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'il est, qu est performant? Est-ce qu'on est compatible sexuellement? Est-ce que c'est un bon fit? C'est cette pensée-là, c'est laisse-moi coucher avec toi, puis on va voir après si ça vaut la peine qu'on se connaisse plus. Et si c'est ça ta mentalité, arrête! Arrête! Arrête d'essayer un autre et une autre partenaire! Arrête! de dénigrer, de rabaisser, de salir, d'objectiver, de, 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 de rabaisser la création de Dieu. Tu veux rien de sérieux? Eh bien, la sexualité, c'est quelque chose de sérieux. Il n'y a rien de plus beau, magnifique, précieux que le sexe. Alors arrête de l'utiliser juste pour essayer. Arrête. Mais dans quel monde on vit? On lit ça et on est offusqué et pourtant on vit dans le même monde. On essaye, une après l'autre. C'est des choses terribles. Encore aujourd'hui dans ce monde, en une semaine, en une semaine, là, dernière semaine, j'ai peut-être écouté comme 20 minutes de radio ici et là en me rendant au travail. Et voici les choses que j'entendais aux nouvelles. Un multimilliardaire. Qui a commis des agressions pendant des années à des jeunes filles. Il louait, en fait, il louait à l'année longue une suite énorme dans un hôtel pour que les jeunes filles viennent une après l'autre pour assouvir ses besoins, puis les gâtait. Un pédophile qui, après avoir fait 15 ans de prison, est ressorti, il était surveillé, mais finalement, oup, il s'est passé un autre incident. Un père qui a commis l'inceste envers une de ses filles, puis qui a été violent avec la totalité de ses quatre enfants. Mais dans quel monde on vit Ça, c'est 15 minutes de, de nouvelles. Et ça, c'est sans compter toutes les tragédies. On parle d'abus, mais toutes les tragédies de notre monde. Les catastrophes naturelles, comme il y a eu lieu en, lieu en Turquie, en Syrie. Les catastrophes comme... Euh, 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 un moment tragique que nous avons vécu ici au Québec, à Laval, d'un homme qui conduit un autobus, puis qui décide de foncer avec l'autobus dans une garderie, tuant ainsi des enfants. Mais dans quel monde on vit Puis le chrétien doit s'accrocher à l'espoir que nous avons. C'est ce royaume. Ce royaume qui... Sera sans pleurs, sans abus, sans maladie, sans mort. Il faut s'y accrocher. Mais quand on regarde ce texte-là, quand on regarde ce récit-là, ça me fâche. Je trouve ça dégueulasse qui prend place. Puis, il n'y a personne qui agit. <laughs> Mardoché, t'es où, man? Tu fais quoi? Protège-la, Esther, fais quelque chose. Dieu, t'es où? Il me semble, les plaies d'Égypte, il n'y a pas si longtemps, là, avec Moïse. Let's go, il me semble, j'ai frais tomber encore là, sur Exercice. Sur il y a quelqu'un qui devrait agir pour protéger ces femmes-là, mais il n'y a personne qui le fait. Puis, je veux m'adresser à, à des pères, à des pères qui laissent leurs jeunes filles entre les mains d'un jeune homme le jeune homme, il a juste une seule intention, c'est d'essayer sa fille. Puis tu te dis, ah oh ouais, mais ça m'inquiète, ça m'inquiète, ouais, ma, ma fille, elle commence une relation avec euh, un, un jeune homme, puis, euh, puis mais tu sais, je veux pas trop m'inclure, elle, elle grandit, elle vieillit, elle devient une adulte quasiment, là. OK, mais t'as-tu rencontré le gars? Ouais, il est un peu immature, là, mais je pense que es un bon gars. Il est pas chrétien, là, mais... Ah, finalement, je, je pense qu'ils couchent ensemble. Mais je prie pour eux. Je prie pour eux, puis je ne veux pas y en parler parce que je ne veux pas trop l'offenser, je ne veux pas trop me mêler de ce qui ne me regarde pas, c'est ses affaires après tout. T'sais, moi aussi, j'ai fait mes erreurs. Parle à ta fille. Protège-la. Empêche-la de faire des erreurs à l'âge de 14-15 ans, d'être dans les mains d'un jeune homme qui est encore un jeune homme immature comme on voit, comme ces idiots qui conseillent de juste essayer une autre femme. Empêche-la, protège-la qu'elle se retrouve dans cette situation-là. T'es un père? Dis-le, parle, communique, offense-la s'il faut, mais parle-en. C'est ta responsabilité. Il y a trop de gens dans ce récit qui agissent pas, qui protègent pas ces femmes-là. Et en tant qu'Église, nous voulons aussi tout faire pour protéger les jeunes femmes, pour dénoncer toute forme d'abus, pour accompagner des victimes. On a des ressources, on est là parce que s'il y a des victimes qui m'écoutent aujourd'hui, tu, tu as subi un abus. Ce n'est pas normal. C'est-tu normal ça? Si tu te poses la question, c'est que c'est probablement pas normal. Et ce qu'on voit, qu voit régulièrement, c'est des gens qui sont victimes et qui euh, marchent avec une culpabilité. Ils vivent un walk of shame. Exercise faisait ça, abusait la jeune fille. Puis le lendemain, elle vivait son walk of shame en allant dans un second harem, puis elle devenait une veuve laissée là, qui n'avait plus de vie, qui avait été utilisée l'histoire d'un soir par un grand roi. Puis ça me rappelle que Jésus a vécu, a vécu la honte. Jésus lui aussi celle d'être cloué, nu à une croix, devant tous, comme un bandit, lui qui était sans reproche mais il l'a vécu alors il peut être compatissant mais il a aussi vaincu et ça nous dit que aujourd'hui il enlève la honte il, il enlève la honte la honte de mon péché de mon offense envers Dieu mais il enlève aussi la honte des offenses qui que tu as subies de la part des autres du péché dont tu as été victime Jésus est venu pour enlever Jésus est là, il comprend. Enlever ce poids et te rendre libre par sa grâce. Mais qu'est-ce qui va se passer donc avec Esther? Verset 16, c'est le dixième mois, c'est-à-dire au mois de Thébète, de la septième année du règne, que l'on vint prendre Esther pour l'amener chez l'empereur au palais impérial. L'empereur aima Esther plus que toutes les autres femmes. Et elle gagna sa faveur et sa bienveillance mieux que toutes les autres jeunes filles. Wow. Alors, il mit sur sa tête la couronne impériale et la fille proclamée impératrice à la place de Vastie. Quel détournement de, de situation. La jeune fille, là, innocente, qui arrive choisie parmi tant d'autres. En son honneur, il organisa un grand banquet pour tous ses ministres et ses hauts fonctionnaires. Ce fut le banquet d'Esther. Il accorda aux provinces des allègements d'impôts et distribua des cadeaux avec une générosité impériale. C'est intéressant parce qu'Esther, à ce moment-là, devient dans une position d'influence. Elle a la faveur du roi, la faveur du peuple. Et, et, et toi et moi, chrétiens marchant dans ce monde, tout croche. Nous pouvons être dans la noirceur de ce monde sans comprendre ce qui se passe autour de nous, mais Dieu, dans sa grâce, ne nous discarte pas. Il nous sauve et nous élève pour son plan. Dans la pire des situations, Esther se retrouve dans quelque chose de, de dégueulasse. Mais elle agit bien. Elle agit bien. Persévère. Et là, elle se retrouve dans un poste où ce qu'elle influence, elle passe d'adopter à abuser, à élever comme une reine. Et suite à son couronnement, Xerxès va être généreux. Le chrétien comprend qu'il a un monde à influencer. Vous savez, nous sommes imparfaits, nous vivons dans un monde imparfait, mais le plan de Dieu est parfait. Et Dieu ne cherche pas des serviteurs parfaits avec une vie bien rangée et un passé bien, bien propre. Non, le seul serviteur parfait, c'est Jésus. Il est mort, puis aujourd'hui il nous accompagne afin que nous soyons à son service. Afin que tu puisses briller dans les ténèbres. Briller avec ce que tu as. Qu'est-ce qu'elle avait, Esther? Elle était belle. Elle était belle. Elle n'a pas commencé à impressionner le roi en faisant de la claquette. Elle n'a pas commencé à faire un gros speech pour que, convaincre le roi de la garder. Non, elle était belle. Et en fait, mon point, c'est que Dieu a déposé en chacun de nous des atouts. Des atouts qui peuvent être pour sa gloire. Afin d'influencer ce monde. Parfois, Dieu nous met dans un endroit qui nous surprend. Puis on se dit, pourquoi je me suis retrouvé dans ce travail-là? C'est pour influencer. Pourquoi tu es là? C'est pour influencer. Oh, mais je n'ai pas un bon boss. Mon milieu, il est difficile. Est pas, tu as appelé à influencer ton entourage. Et alors que ton entourage sait que tu es différent, ils le savent parce que tu fais le bien. Tu fais le bien sachant qu'il y a des affaires tout croche autour de toi. Esther fait le bien sachant qu'il y a des choses tout croche autour de toi. Tu fais le bien ayant confiance que nous servons un Dieu de justice que lui va se charger des ennemis et des choses terribles que le monde fait. Vous savez c'est comme un peu une, une ta, dans ta maison lorsque tu chauffes ta maison. Certains d'entre nous ont un système de, de chauffage central. Puis il y en a certains qui parfois ferment la trappe. Hein, les trappes ferment les trappes. Et donc l'air chaud ne peut plus chauffer. Ne peut plus réchauffer la maison. Voici l'illustration. Voici l'application. Il y en a deux. L'air chaud, là, est où Est là. Mais tu juste pas ouvert la trappe. Puis il y a des gens, premièrement, tu dois réaliser que l'amour de Dieu, là, il est là. Dieu t'aime. Dieu t'aime. L'amour de Dieu est encore là. Tu n'as juste pas ouvert la trappe. Puis recevoir cet amour-là, cette grâce-là, cette consolation-là, cette paix-là, cette joie-là dans l'adversité. Recevoir son amour pour toi. La deuxième application de cette illustration là, c'est que trop de gens vont dans leur milieu de travail et ferment la trappe, ou littéralement se ferment la trappe. Et pourtant, Dieu t'appelle à ouvrir, à parler, à aimer, à aimer que cette chaleur là, cette, cette chaleur là que tu as reçue, peut se propager dans son entourage, dans ton entourage. Et vous savez, lorsque tu ouvres la trappe là, la chaleur, là, elle réchauffe la pièce. Ça se fait naturellement, là, tout ça. Hein? Tu n'as pas besoin de dire, hey, « let's go, chauffage, let's go. Allez, continue. » Tu n'as pas besoin d'encourager, Ça se fait naturellement. Et j'aimerais te dire, il y a des gens, tu te stresses avec le « comment ». Comment euh, euh, aimer les gens dans mon milieu? Comment, qu'est-ce que je devrais dire? J'aimerais te dire, ça se fait naturellement. Aime. Sois rempli de cet amour, puis aime ton entourage. Ça va se faire naturellement. Et on termine le texte de ce matin, verset 19. Il y eut un second ramassage de jeunes filles. Or, Mardoché avait alors un poste au palais impérial, verset 20. Esther avait tenu secrète son origine familiale et sa nationalité, comme le lui avait ordonné Mardoché. Elle continuait à se conformer à ses instructions, comme au temps où elle était encore sous sa tutelle. À cette époque, alors que Mardoché exerçait donc des fonctions au palais impérial, deux uniques de l'empereur, Bictan et Terek, qui faisaient partie de la garde postée à l'entrée du palais, furent exaspérés par l'empereur Xerxèse et cherchèrent même à l'assassiner. Mardoché en eut connaissance et il en avertit l'impératrice Esther qui mit l'empereur euh, au courant de la part de Mardoché. Après une enquête, l'information s'avéra exacte. Les deux coupables furent pendus à une potence et l'affaire fut consignée dans le livre des annales de la pr en présence de l'empereur. On voit Mardoché qui est là, sur le pas de la porte, et entend une conversation. Là. Il est juste là au bon moment, euh, euh, puis au bon endroit. Puis la conséquence est peut-être sévère, mais on se rappelle que le roi il est juste fou. Puis on sait qu'au bout de la ligne, plus tard, ça va... Ça va élever Mardoché aussi, cette situation-là. On va le voir dans quelques semaines. Et de l'autre côté, on voit aussi, on se rappelle d'Esther qui se retrouve dans un harem à cause de sa beauté et tout ça. Et mon point est suivant. En terminant, le chrétien sait qu'il n'y a pas d'hasard dans ce monde. Le chrétien sait qu'il n'y a pas de hasard dans ce monde. Dieu. Agit dans ce monde. Malgré le péché qui abonde, sa grâce surabonde. Malgré la chair d'exercice, l'abuseur, malgré la peur et l'inquiétude d'Esther, malgré l'impuissance de Mardoché, Dieu agit. C'est comme lorsqu'on est dans une tempête de neige. Tellement de tempête forte, tu ne vois pas ce qu'il y a. Puis là, une fois de temps en temps, il y a l'essuie-glace qui passe et qui te permet de juste voir un petit peu, un petit peu plus loin la route. Tu te dis, OK, je suis encore sur la route, OK, je suis encore là. Mais la tempête est si forte que tu ne vois rien devant. Et parfois, on vit dans ce monde, dans les ténèbres, puis on doit se rappeler que des fois, on ne voit pas grand-chose, mais Dieu est là. Dieu est là. Dieu a un plan, Dieu a un chemin pour nous. Dans ce monde, dans ce royaume, Dieu a un chemin pour nous. Dieu est là pour un temps comme celui-ci. Alors que nous sommes déportés dans ce monde, étrangers sur cette terre, le chrétien est convaincu que Dieu n'a pas fini d'agir. C'était la parole pour aujourd'hui. Soyez bénis. J'espère que ce message t'a permis d'en connaître plus sur Jésus. Si tu désires en savoir plus sur lui ou sur l'église Le Portail, je t'invite à nous écrire à, à portail.com et un membre de notre équipe te contactera dans les plus brefs délais afin de prendre du temps avec toi. En terminant, merci de votre soutien à l'œuvre de Jésus par la prière et par vos dons. Il continue de sauver encore aujourd'hui et de transformer des vies. Votre soutien est important et contribue à notre mission, qui est d'aider tout le monde à découvrir comment tout a toujours rapport avec Jésus. Si vous désirez nous soutenir, vous pouvez le faire directement votre, via votre institution bancaire ou en nous écrivant à don avec un s à portail.com. Au nom de toute l'équipe, passez une excellente semaine!